Non. Attends. Le bébé est mort à faim. Mais chérie, on vient de manger tout à l'heure, non? Tu m'as même dit que tu t'es rassasié. Moi, ma gare. C'est pas moi, c'est le bébé là. Comprends. Oui, chérie, c'est la nourriture de la dame là, le bébé l'a vu manger. Non, pas ça. Maman engage. Je peux acheter une nourriture pour toi, mais le bébé peut pas manger nourriture d'autrui. Pardon, ne me crée pas de problème, s'il te plaît. Non, chérie. Non. Yeah. Madame, désolé vraiment, hein, excusez-nous. En fait, elle est enceinte. C'est caprice de grossesse. Hein. Vous-même, vous êtes femme et vous savez comment ça se passe. En fait, c'est le bébé. On était là comme ça et Pierre dit le bébé a faim. Désolé. Hein. Regardez ce qui va se passer ici. Chérie, le bébé l'avait giflé la dame qu'on a maillé sa bouche. Non, là tu exagères. Non, pas ça. Tu racontes quoi même? Mais toi, ce que tu dis, est-ce que tu comprends? Allons-y. Non, chérie. Chérie, non. Pas ça. Tu veux une image? On se retrouve après. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Yeah. Oh, non, tu déconnes. Oulé. Madame Drouin, désolé. Veuillez m'excuser encore une fois. Désolé, pardon. En fait, elle est ancienne. C'est caprice de grossesse. Désolé. Regardez ce qui va se passer ici. Chérie. Fontaine. Le bébé veut gifler le policier qui a arrêté la vache. Non. Ça seulement, je ne peux pas te laisser faire. Faut pas me créer des problèmes. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. À cause de Dieu. Ne fais pas ça. C'est pas de ma faute. L'esprit du bébé est en moi. C'est pas de ma faute. Faut pas céder à ses caprices. On cède pas à toutes les caprices, s'il te plaît. Si je on va aller en prison. C'est pas grave, chérie. C'est l'esprit du bébé. Non. Mensonge. Ce sont des mensonges. Non. Et puis là, si je fais pas ça là, hein, ça ce bébé là pourrait être noir. Oh mon Dieu. Non. Tout est gâté. Chef, je suis désolé. Chef, c'est le bébé. Elle est enceinte. C'est caprice de femme enceinte. Chef, depuis là, elle est en train de gifler les gens. Elle dit que c'est pas elle, mais c'est le bébé qui chiffre. Chef, veuillez nous excuser. Bon, puisqu'elle est enceinte, on ne doit pas frapper la femme. C'est normal. Le bébé aussi, on ne doit pas le frapper. C'est normal. Mais toi, tu es le père. Tu es son mari, non? C'est sur toi que je vais déverser ma colère. Hey, et en prison. Chef, pardon. Hey, chérie, je suis désolée. Non. Tu vas beaucoup me manquer.